Bonjour, alors on est sur un Renault Master 2 litres 5D de 1999 et j'avais un problème. En fait, quand je fermais ma porte, le verrou du bas ne prenait pas. Et donc, si je tirais sur la poignée, ça se décollait en fait. Il y avait un seul point d'ancrage qui était verrouillé. Ça m'était arrivé sur un Citroën Berlingo aussi. Donc, si vous avez un problème similaire, en fait, vous dévissez cette vis et vous reculez légèrement la position de cette boucle. Parce qu'en fait, à force d'appuyer, même si c'est bien vissé, cette boucle, ce support métallique, il a tendance à reculer, reculer. Et puis au bout d'un moment, il est tellement reculé que le verrou a du mal à le saisir. Donc ici, c'est une vis de 13, il n'y a pas de contre-écrou. Et puis vous pourrez en profiter une fois que vous aurez enlevé ça pour enlever la crasse qui s'accumule. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes curieux et débrouillard. Ça tombe bien, j'ai créé une méthode pour examiner et choisir consciencieusement un véhicule d'occasion. Je suis scientifique de formation, donc j'ai tendance à tout vérifier point par point et à essayer d'être un maximum pédagogique. Une partie de cette méthode est gratuite. Si vous voulez la consulter, cliquez sur le lien concerné dans la description sous la vidéo. Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau pour un ou une novice en automobile.